Mes amis, bien le bonjour. Alors, j'espère que vous m'entendez parce que je n'ai pas mes petits écouteurs. Bon, il se passe pas mal de choses hein, ce matin, donc je pense que vous avez vous aussi, comment dire, je vais vous montrer, vous avez donc certainement eu une alerte que je vais vous mettre là. Fais voir. Voilà. Est-ce que vous l'avez, l'alerte? Voilà. Donc ça, c'est une alerte qu'on a reçue sur le téléphone. Enfin, moi, je viens de la recevoir il y a quoi? Il y a une demi-heure à peine. Il est quelle heure? Il est 10h56. Donc, exercice, exercice. Voilà, test FR alerte, préfecture de police de Paris. En cas d'urgence, vous auriez pu recevoir le message suivant. Abritez-vous dans un bâtiment dur de préférence. Évitez de rester sous un arbre. Fermez portes et fenêtres. Et volèrent, respecter les consignes des autorités, rester en lieu sûr jusqu'à ce que les autorités déclarent la fin de l'alerte. Bon, je sais pas, je pense que vous l'avez reçue aussi, cette alerte. En tout cas, je vous l'ai mise en poste dans la communauté. Donc déjà, tu reçois ça le matin, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Pourquoi ça? Enfin, j'ai l'impression quand même que ça nous, je sais pas, en fait, on nous prépare, on nous prépare ou on nous angoisse, hein, j'en sais rien, mais il y a l'un des deux en tous les cas. Hein. Voilà, il y a aussi l'article 4, bien évidemment, qui est passé, qui avait été rejeté, hein, rejeté une première fois, puis comme d'habitude, on passe en force et on le remet. Donc c'est quand même super grave parce que déjà, c'est vraiment attaqué. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils avaient dit? 15 000 euros de. Oh, je sais plus. Vous savez quoi? J'ai tellement de trucs dans la tête. Je suis débordée, mais débordée dans mon cerveau. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Nous, comment dire? Nous menacer de prison, et d'amende si jamais on n'écoute pas ce que dit le gouvernement, en gros, hein, de toute façon. C'était quand même une. Enfin, y a quand même un truc, c'est quand même par rapport à Raoult, on a bien vu avec Véran, qui ose, hein, qui ose attaquer Raoult de gourou. Enfin, Raoult, il a quand même un QI de 180, il a fait des études comme que Véran n'a jamais fait. Enfin, c'est un truc de taré, mais vraiment, quoi, c'est un truc de fou. Attaquer le professeur Raoult, c'est quand même. Enfin, je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Et alors, c'est vrai que pour le coup, Marine Le Pen a très bien répondu à l'Assemblée. Voilà, on dit ce qu'on veut, mais alors là, elle l'a taclé, c'est un truc de fou. Parce que quand même, il faut rappeler qu'il y a pas mal de gens du gouvernement qui ont été soignés par le professeur Raoult. C'est un truc de fou quand même. Vous vous rendez compte? Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Je pense que l'élite est en train de se faire pipi dessus, je suis poli. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent perdre du jour au lendemain tout leur pouvoir, et ils ont tellement peur de perdre leur pouvoir qu'ils vont nous assommer de lois, qui vont nous menacer hein, carrément, parce que c'est des menaces. Je veux dire, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Bon, je vais pas en rajouter parce que ça me saoule. Quoi d'autre? Non, mais vraiment, c'est pire en plus. C'est pas que contre les gourous soi-disant, nanana, ça va toucher éventuellement, enfin je pense, hein, ça va également toucher les voyants et les voyantes, bah parce que c'est des dérives sectaires, des trucs, des machins, alors qui prennent bien évidemment ceux qui font des trucs, ceux qui font n'importe quoi, etc. Mais je pense, voilà, les gens n'ont pas pensé à ça, mais moi je pense que ça va aussi toucher les voyants, les médiums, etc. Donc voilà, quoi d'autre? Moi, je dis tant mieux, mais après, vous savez, si on dit des choses qui ne plaisent pas, on peut être squeezé aussi. Hein. C'est ça le truc, c'est on peut être aussi squeezé. Voilà. Si on reste dans le truc, oui, c'est cool et qu'on fait des petites vidéos, des petites voyances du genre de guidance, sympatoche, votre journée. Voilà. Là, ça ne va pas poser de problème. Mais si tu commences à parler politique, là, je pense que tu vas être squeezé comme. Mais comme tous ceux qui écrivent aussi, ceux qui ont des blogs, des journaux, je pense à François, je passe pas à François qu'on a retiré son agrégation, bon, des trucs comme ça. Donc il y a des journaux aussi importants qui ne sont pas dans la bien-pensance du gouvernement, ils vont être
Voilà, ils vont être taxés de complotisme, de dérive sectaire, de je ne sais pas quoi. Je veux dire, quand on s'en prend à Raoult, il faut quand même le faire. Donc, du coup, je me dis que ça va aller très, très loin, cette histoire. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Je suis choquée. C'est... Voilà, enfin... Je ne comprends plus ce monde. Enfin, si, je le comprends très bien. Je vois que de tous les côtés, on serre la vis, on serre la vis, on serre la vis. Mais menacer les gens de prison, quand même, je veux dire, c'est du jamais vu. Ce n'est du jamais vu. C'est jamais... C'est, non, j'en ai jamais vu ça. Jamais. Alors, quand même, pour terminer l'histoire, là, je lis que Emmanuel Macron... Attends, c'est où? Je vais vous mettre quand même... Ça vient de sortir, c'est tout neuf, c'est tout neuf, c'est tout neuf. Ça, par contre, là aussi, je me dis qu'il faut faire gaffe. Parce que quand tu reçois une alerte comme quoi, voilà, une alerte, nanana, abritez-vous, fermez les volets, etc. Et qu'après, juste après ça, tu vois ça, tu vois ça, tu te dis, oh là, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky vont signer un accord, un bilatéral de sécurité vendredi. D'accord? Ben là, en fait, on avait déjà un pied, pour moi, hein, dans la guerre contre la Russie. Mais alors là, on a les deux pieds. Ça y est, on est dedans. Ben oui, parce que ça veut dire qu'un accord bilatéral de sécurité, ça veut dire qu'on va fournir... tout ce qu'il faut, je ne vais pas dire le terme parce qu'on ne peut plus parler maintenant, les armes, etc. Et là, on est carrément, on a les deux pieds dedans, en fait, hein, deux pieds dans la guerre contre la Russie. Voilà, c'est ça que... Donc, on va faire un petit tirage pour voir comment ça va se passer et pour voir comment Poutine va réagir. Ah ben oui, parce que si... enfin, bon, moi, c'est ce que je pense que ça ne va pas plaire du tout à la Russie. Parce que ça nous met directement contre elle, mais vraiment, vraiment, la face à face. Hein, c'est du concret, c'est factuel, là, pour le coup. Vous voyez, c'est très, très, très factuel. Je ne sais pas ce que fournicote ce type, mais ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Alors, on va se faire une petite voyance là-dessus. Hein. Alors, donc, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky vont signer un accord bilatéral de sécurité vendredi. Comment ça va se passer? Et surtout, on va dire dans un premier temps comment ça va se passer, mais surtout, comment va réagir le Kremlin? Hein, comment ça va se passer? C'est qui lui? Ça, c'est pas Volodymyr. Hein, ce n'est pas Volodymyr que j'ai fait à la coupe. Alors, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, aussi à la guerre bilatérale. Comment ça va se passer? Quelles vont être les réactions? Même de la Russie, j'imagine, hein, peut-être que je me trompe, mais je ne sais pas. Ah, moi, pour moi, il y a un truc qui bloque. Hein. Il y a quelque chose qui va bloquer très vite. Enfin, très vite, je ne sais pas. Mais en tous les cas... Alors ça doit être Zelensky, ça. Il est plus jeune que Macron, Zelensky, je pense. Hein. Donc là, il y a quelque chose, il y a une entente qui ne se fait pas réellement, en fait. Ou alors, ce qu'on est en train de me dire aussi, c'est que Zelensky va quand même... enfin, Zelensky, cet accord-là, hein, qui est prévu, ne va pas être trop divulgué. Il va y avoir encore des choses qui ne sont pas dites. Ils vont se rencontrer, donc j'imagine qu'ils vont se faire d'autres accords qui vont être en catimini. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y en a un qui va être kéblo. Est-ce que Zelensky ne va pas pouvoir venir en France? Ou est-ce qu'il va se passer quelque chose? Il va y avoir, à un moment donné, un blocage par rapport à cet accord. Ça veut dire que ça va être suspendu par rapport à quelque chose. Je ne sais pas, est-ce que ils ne vont pas s'entendre, a priori, hein. Ça ne va pas être tout chose, quoi, tout, voilà. Ils ne vont pas s'entendre sur cet accord, il y a quelque chose qui va bloquer. Dans un premier temps, ouais. Alors, il y a d'autres pays qui vont participer ou qui participent à cet accord.
Pour l'instant, on parle de la France, hein, on parle de Macron, moi, mais je vois qu'il y a d'autres pays quand même qui vont. D'accord, qui vont participer à cet accord. Combien il y a de pays qui pourraient participer à cet accord? Je ne sais pas. Bon, alors dans un premier temps, après, a priori, quelque chose qui est suspendu, parce que l'accord ne se fait pas comme Macron voudrait, on va dire ça comme ça, ça repart. Ok, très bien. C'est qui lui? Celui que j'ai cherché tout à l'heure. C'est qui celui-là? Il y en a un qui va intervenir, hein, je ne sais pas qui il est. Peut-être que c'est Poutine, hein, je sais pas, qui va peut-être intervenir par rapport à cet accord. Putain, pardon. par rapport à cet accord. Oh là là. C'est qui ça? Il y a aussi une femme, une autre femme. Alors, une femme, je ne sais pas quel pays, de quel pays. Alors, je pense que c'est une étrangère. Enfin, un pays de l'Union européenne en tous les cas. C'est peut-être l'Angleterre, hein, il y a un truc comme ça. Parce que, ouais, je sais pas, je pense à l'Angleterre qui va se. Ouh, c'est bizarre quand même que je vois un rejet de l'accord dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ça se fait avec un autre pays. Tu verras. Par contre, moi, ce qui me fait peur quand même, c'est que cet accord, ça va partir en sucette. Hein. Ah oui, ça part en sucette, quoi qu'il arrive. Hein. Ça part en sucette justement parce que ça va foutre un bordel monstre. C'est-à-dire que même si Poutine ne dit rien dans un premier temps, enfin la Russie, on va dire ça comme ça, il pourrait y avoir quand même des catastrophes. Des catastrophes. Mais pourquoi il y aurait autant? Je vois. Je ne sais pas si on me fait voir. Ça part en sucette, hein, j'ai l'impression. La finalité, c'est que ça part en sucette, cet accord. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que l'accord va se faire aussi avec un autre pays. Ou avec l'Angleterre. Ou alors c'est l'Union européenne. Ça peut être ça aussi, tu me diras. Bon. Alors, on verra bien. Hein. Dans un premier temps, je vois que l'accord est quand même. C'est mal barré dans un premier temps pour l'accord. Il y a quelque chose qui va pas. Peut-être que ça va être renégocié. Je pense que c'est ça qu'on dit. Ça va être renégocié. J'aimerais bien savoir comment la Russie va prendre cette histoire d'accord. Oups, d'accord. Oh là, bah, punaise. Voilà ce qui est sorti, attends. Je pense qu'il va le prendre très très mal quand même. Avant ça. Alors, comment la Russie va réagir à cet accord bilatéral de sécurité? Comment la Russie va réagir? Poutine. On va avoir des surprises, hein. Il va y avoir des surprises par rapport à cet accord. Poutine, comment va-t-il réagir par rapport à cet accord? Ah, tu vois, je suis pas sûre qu'elle me dise tous les cartes. Comment va-t-il réagir? Donc ça, c'est Zelensky et comment il s'appelle? Et Macron. Oh là, regardez ce qu'il vient de se retourner sans faire exprès là. Vous avez vu? Pour moi, c'est comme si on est. Oui, je pense que c'est comme si c'était la France qui déclarait carrément la guerre à la Russie. Hein. Il n'y a pas de.
Ça y est, ça recommence. Hein. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Encore. Ah! Qu'est-ce qui... Encore? Un truc qui s'est passé. Oh là! Moi, je redis hein, qu'il va y avoir... il y a un risque d'attentat sur un chef d'État. Hein. Je ne sais pas qui il est, je ne sais pas de qui on parle, mais... C'est quoi qu'on envoie là? Oh, moi je vois ça. Hein. Oh là. Ouf, pouf, pouf, pouf. Moi je pense que là c'est Poutine. Donc il y a quelque chose de quand même assez mauvais. Hein. Je pense que c'est Poutine qui est là. Il y a quand même. Ouais, je... Ah, viens ici, toi. Ouais, c'est toujours pareil. On envoie des chars, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi ça bloque. Pour moi, ça bloque. Il y a quelque chose de bizarre là. Quelque chose qui bloque bien, tu vois. Là là. En tous les cas, je ne sais pas si c'est Poutine, mais alors là, il va être très mauvais. Même s'il dit rien au début, je ne sais pas, il va se passer quelque chose et ça ne va pas lui plaire du tout, du tout, du tout. D'accord. Moi, je vois. Marrant parce que. Moi, je verrais plutôt. Je ne sais pas si c'est. Je vous ai dit aussi qu'il y avait un président d'un pays, dans lequel j'en sais rien, qui va partir au milieu. Ça veut dire qu'il abandonne, il quitte son poste. Donc là, ça, pour moi, ça ressort. Hein. Il y en a un qui va quitter son poste. Est-ce que je fais voir? Il y en a un qui va quitter son poste, qui va lâcher l'affaire. Hein. Il y en a un qui lâche l'affaire vraiment, quoi. Bon, en tous les cas, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon pour cet accord. Par contre, Poutine pourrait être vraiment mis en difficulté. C'est ça que je vois là. Il y a quelque chose par rapport à Poutine qui serait mis en difficulté. En grande difficulté. Oh là. Ouh, le. Ouais, un truc chelou. Oh, ça, c'est ouais, c'est une destruction totale. Bon, ben, dans un premier temps, cet accord est suspendu, il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a un pays, enfin, l'Angleterre ou je ne sais pas quel pays, qui se rallie à cet accord donc, bilatéral. Fais voir. De sécurité, ok. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a pas. C'est qui? Attendez, excusez-moi 2 secondes. Est-ce que. Alors, il y a aussi la possibilité, parce que là, on dit un accord bilatéral de sécurité. Mais d'accord. Mais là, j'ai l'impression aussi qu'on pourrait parler aussi d'une armée. Ah ben oui! D'une armée, ça veut dire qu'on pourrait envoyer l'armée française, enfin des Français, sur le front là-bas, tu vois, à Kiev. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça qu'on me dit. Hein. Pas très chaud de l'armée pour partir là-bas. Hein. Mais c'est une possibilité qu'on me dit là. C'est une possibilité qu'on envoie une armée, notre armée française, pour aider l'Ukraine. Une armée qui n'est pas très chaude pour y aller. Hein. Il y a une armée qui veut pas, qui n'a pas trop envie de se foutre là-dedans. Ou alors c'est Zelensky qui va demander beaucoup plus que prévu, qui va demander effectivement que l'armée française aille aider aussi sur le terrain. Tu vois. Et là, là, je ne crois pas que c'est peut-être ça que je vois.
Je pense que c'est pour ça que ça va bloquer. Parce qu'envoyer des, hein, entre guillemets, des armes, n'est-ce pas, c'est une possibilité. Mais par contre, là, envoyer notre armée, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Ça va pas le faire du tout. Puis en plus, c'est pas ça. Et c'est qui, lui? Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Non. Ouais. Ça va, j'espère que ça ne va pas le faire parce que je vois quand même beaucoup de morts aussi, hein, sur le terrain. Donc ce serait peut-être notre armée en fait, hein. C'est-à-dire qu'il voudrait en plus notre armée, le Zelensky là. Ouais. Bon, bah écoutez, pour l'instant, je ne vois que ça. Il y a quand même, c'est vrai qu'il y a, je ne sais pas si c'est une femme là qui intervient, qui. C'est peut-être la présidente d'un pays, je ne sais pas lequel, qui peut-être pourrait se rallier à cet accord, mais dans un premier temps, moi, je vois que non, ça ne se fait pas. Je ne sais pas pourquoi. Qui c'est qui va bloquer l'histoire? Est-ce que c'est Zelensky? Est-ce que c'est Macron? Est-ce qu'il veut qu'on envoie notre armée aussi sur le front? Il y a un truc comme ça qui ne va pas, du tout même. Du tout, du tout. Et alors là, je pense que ça pourrait être un attentat contre Poutine, hein, disons le mot. Je pense que, ouais, il y a quand même un essai. Je pense que c'est contre Poutine. Hein. Enfin, on verra bien. Il y a quelque chose qui, encore une fois, je le redis, il y a quelque chose qui se prépare de mauvais, de très, très mauvais. Et je ne sais pas quel chef d'État sera atteint, en fait. Mais ça, je le vois depuis quand même, je ne sais pas, 3 semaines. Hein. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, voilà. Je voulais vous faire aussi un petit coucou. Écoutez, rien ne va plus dans ce monde. J'ai pu voir aussi, il y a des choses qui se passent. Et vous savez, ça s'accélère. Bon, je n'en ai même pas parlé. Tout s'accélère. Et quand ça s'accélère, c'est que les gens sont, enfin les gens, l'élite est en train de flipper, quoi. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Puis, de toute façon, vous avez vu hein, ce qui se passe en ce moment avec Israël, Palestine et tout. C'est un cauchemar. Et tout s'accélère. Ils font des lois de plus en plus cruelles, de plus en plus mauvaises. C'est de pire en pire. Hein. Vraiment, c'est de pire en pire. Ça ne va pas du tout. Et moi, dans ces conditions, j'ai du mal à faire des voyances parce que je suis mal, en fait, tout simplement. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi tout... Attends, je vais virer ça. Ben oui, j'arrive pas à faire des voyances avec ce monde qui se retourne complètement. C'est sous nos yeux, quoi. Ça fait mal, tu vois. Ça fait mal, ça nous prend la tête, quoi. C'est très difficile. Si un jour je rêve de guerre, je vous le dirai, mais enfin, quand même, il y a des choses qui avancent. Hein. Je vous l'avais dit il y a un moment, déjà, que je courais sous les bombes. Hein. Vous vous souvenez de mon rêve hein. Je courais sous les bombes et tout. C'était peut-être pas moi, c'était peut-être... on parlait peut-être d'un autre pays qui allait se retrouver, peut-être qu'on parlait de je ne sais pas, en fait. Mais ça m'inquiète quand même. Hein. Ça m'inquiète. Je ne sais pas. Ça m'inquiète. Oui, ça m'inquiète. Voilà. En tout cas, l'année 2024, je ne vous raconte même pas quoi. Ça va être. Ça a commencé très mal. Et ça va continuer. Hein. Ça va continuer. Voilà. Bon, écoutez, on verra bien. Plus le droit de parler, plus le droit de rien dire. C'est tellement gros. C'est tellement gros qu'on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut faire quand même super gaffe parce que je vous dis partout, dans tous les pays, ça commence à serrer la vis, à nous mettre des lois, genre emprisonnement si t'es... Non mais, je peux même plus parler, ça me prend le chou, vous voyez, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe.
Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Enfin, si, je comprends très bien que l'élite est en train de flipper sérieusement et parce que le monde est en train de basculer. Et comme on ne veut, certains, la plupart des gens ne veulent pas rentrer dans le monde, leur monde, là, dans le mondialisme, on ne veut pas de ça. Donc là, c'est en train le monde est en train de basculer. Il va basculer à gauche ou il va basculer à droite. Là, c'est l'un ou l'autre. Et là, ils nous font des lois pour nous squeezer. Ah, j'avais oublié aussi. Est-ce que c'est qui a demandé justement? Ah, voyez, tout va très vite là. Ils nous bombardent la tête. Ça veut dire qu'ils vont essayer de changer la constitution pour que éventuellement Macron puisse se représenter une troisième fois. Vous voyez, il y a trop de trucs. Il y a trop de choses. C'est plus possible, en fait. On ne suit plus. Ils sont en train de nous bombarder d'infos pour qu'on sache plus. Voilà. Moi, je dis que c'est terrifiant. C'est terrifiant. Je vous dis franchement, je ne sais même pas si je vais continuer à faire de la voyance. Parce que mon cerveau va exploser. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis atterrée par ce que je vois. Voilà. Bon, écoutez, je suis désolée, hein, mais voilà, il fallait que je le dise. Bon, je vais peut-être changer, je vais peut-être essayer de voir d'autres choses parce que franchement, je sais pas, d'autres émissions, je vais gérer ça parce que franchement, la voyance, là, c'est pour moi, hein, pour moi, je ne dis pas pour les autres, mais pour moi, c'est trop. Quand je vois le monde entier, tout ce qui se passe dans le monde, ça me bourre la tête, je n'en peux plus, quoi. Voilà, donc je vais voir. Bon, allez, je vous fais des gros bisous et on like, on partage et on se dit à bientôt, les gens. À bientôt.